Ouais, pourquoi le monde n'agit pas pour Gaza aujourd'hui? Pour moi, c'est le même monde qui n'a pas agi pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le même monde qui ne souhaite pas se mobiliser par rapport à une cause, une humanité simple. Alors notre action ici, aux côtés des comités organisateurs des Jeux Olympiques, c'est qu'on n'est pas content du tout pour la participation d'Israël en tant qu'État aux Jeux Olympiques. La Russie a été exclue, la Biélorussie aussi a été exclue. Illico, suite à la guerre de l'Ukraine. Mais le génocide qui se passe à Gaza, avec la tuerie des enfants, des femmes, des vieillards, et on bombarde tout le monde sans distinction. Et Israël, quand même, peut participer à ces Jeux Olympiques. Et nous, on est là, on n'est pas d'accord du tout. Le fait que la Russie a été exclue, Israël doit l'être aussi. Je pense que le monde a oublié l'humanité, ou alors c'est une humanité plutôt sélective. Et ça, c'est quelque chose d'horrible. Rappelons que la charte de l'olympisme revendique que chaque participant ne doit pas être un soldat ou un génocidaire. Et le monde ne bougera pas tant qu'il ne sera pas touché. Voilà, et ça c'est une vraie injustice. J'espère que ça changera. Je crois que ça changera. En tout cas, l'histoire jugera.